Voilà, donc en fait, ici là, le bleu, il fait tout le tour là. Voilà, donc ça c'est un morceau double, enfin peu importe. Et il y a une tête d'alouette là. Une tête d'alouette, donc on voit bien que en fait la dernière rangée est en bas et en fait les premières rangées sont en haut. Il faut que en fait les dernières rangées soient en bas. Parce que comme ça tire, ça cale un peu plus. Voilà, bon, donc c'est ni plus ni moins un nœud plat hein, entre cette partie-là et ce que forment les anneaux du reste. Voilà, bon, ben, c'est pas. Voilà, c'est tout simple. Hein, donc voilà, c'est. Et ici, la partie orange. Hein, j'ai simplement laissé la place pour. Là, j'ai fait un nœud d'un côté ici. C'est simplement pour maintenir mon anneau guide. Voilà. Donc, bah écoute. Et puis après, bah, à toi de voir ton système. Hein, parce que là, on part d'un point fixe hein, qui est la nacelle. Et on part directement en triangulation. Hein, et un cône 3D. Alors que si tu mets des élévateurs, par rapport au programme, l'écartement sera pas le même. Et de toute façon, c'est une aile qu'il faut. On n'accélère pas ce genre d'aile. Elle est bien. Il suffit de la charger. Hein, vol de pente ou vol moteur. Il n'y a pas d'incidence de calage à faire. On bricole pas avec ça. C'est définitif. Et ça fonctionne très bien. Voilà.